Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de XCOM Chimera Squad. Alors, on était... Alors, nouvelle recrue, vous pouvez choisir un agent. Oh, j'avais même pas vu. J'avais même pas vu qu'on pouvait recruter un nouvel agent. Oh my god. Donc on va faire ça. On avait la cible de faction qui était allée sur Renova 8. Et du coup, ça va avancer petit à petit là-bas. Dans deux tours, on va tout réduire. Avec le niveau de technologie qu'on a, ça devrait être pas mal. Là, on a deux missions à faire. On a empêché l'évolution d'une de ces missions. Je sais plus laquelle. Un renforcement supplémentaire, modification de blindage. Mince, il y en a un des deux qu'on a claqué. Et je sais plus c'est qui. Donc c'est celle-là qu'on doit faire. Hein. Tissage de flux, modification de blindage, grenade électrique. Ouais, c'est celle-là qu'on doit faire, ok. On voit là qu'il n'y a pas les petites icônes, donc on tapera dans cette mission. Mais avant cela, on va recruter un nouveau bozo. Alors, c'est parti, nouvelle recrue. Donc, patchwork, utilitaire, brouillage électronique. Donc, pirater la porte. Vous voyez? Elle a piraté la porte, et je me demande si l'autre a piraté la porte. Choc enchaîné. Ça, on les avait déjà vus, hein. Tir de précision, tir multiple. Ok. Donc, œil de lynx, c'est un sniper, en gros. Un sniper, dans un endroit confiné comme ça, il faut qu'il soit un peu desperado. Hein. C'est pour ça qu'ils l'ont biclassé Gunslinger. Par contre, on a beaucoup évité celui-là, que j'aimerais bien prendre aussi, le corps à corps, là. Pour voir s'il est mieux que l'autre, qui enrage ou pas. Coup paralysant, le désarme, le désoriente, l'étourdit ou l'immobilise. Cette attaque ne peut pas manquer sa cible et déclenche un élan. Ok, ça fait des effets qui se coulent. Blue Blood, tir de précision, tir multiple. Il faut agir avec intelligence, sinon on meurt. J'aime bien l'idée. Pas d'inquiétude, je vais réparer ça. Choc entraîné, bloqué. Bon. Ça, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui doivent prendre ce perso. En fait, j'ai presque envie de le prendre rien que pour ça, parce que personne va le prendre, vu qu'ils ont déjà un technicien. Mais vous voyez, il a l'air d'être beaucoup plus agressif. Brouillage électronique, utilitaire. Cela dit, tir de précision, je me demande avec quoi il se bat. Il se bat avec un pistol, vous croyez? Parce que c'est lui qui a la capacité, vous savez, de tirer une fois sur toutes les cibles au pistolet, une fois sur toutes les cibles en portée de vue. Et le tir triple, le tir triple qu'on a sur un de nos flingues, là, c'est les snipers qui ont ça. Donc j'aimerais bien prendre ça pour pouvoir utiliser le pistolet avec lui. Et pas qu'avec notre tank. Œil de lynx. 50 de dégâts. Tir en début de tour ne veut pas faire celui-ci. Okay, donc on peut faire un œil de lynx et un tir normal derrière. Ok, oui, c'est puissant en fait. Tirer au début du tour ne met pas fin à celui-ci. C'est exactement la capacité qu'on a avec. Godmother. Donc, évidemment. Il a l'air puissant. On va prendre Blue Blood. Allez. On va lire sa petite biographie. Alors attendez, avant de faire ça. Biographie. États-Unis d'Amérique. Avant l'invasion, enfant unique, enseignant d'une enseignante d'un agent de police. A fui les premières attaques avec son père avant d'être envoyé sur le camp de relocalisation à 9 ans. Envoyé dans la cité 31 avec sa famille, apprenti dans l'agence de détective privé de son père, résolvant des problèmes pour les habitants les plus démunis de la ville, s'est forgé une réputation positive tout en apprenant les bases du travail de l'enquêteur. A fait quitter la cité 31 à des centaines de personnes accusées de dissidence par Advent, dont seulement quelques-unes appartenaient réellement à la résistance. A rejoint la cité 31, la création, servi avec honneur, a quitté la police pour l'agence de réhabilitation avec la bénédiction du commissaire Markham, décédé. Ses talents d'enquêteur sont un atout pour les squads chimères. Ok, il parle pas vraiment de son boulot de sniper, où c'est qu'il a appris et tout ça, donc c'est... Tir de précision, tir multiple... C'est plus un flic, hein, avec un pistolet qu'un sniper. Alors on va dire ok, allez. Blue Blood, ça fait plaisir. Moi aussi, Whisper. Tu prends tes quartiers? Pas vraiment. Tant qu'on n'a pas un bureau local, ça fait un humain en même temps. On doit dormir dans un dépôt ferroviaire. Tu vois, chaque boulot a ses avantages. Et préviens-moi quand on en aura. Ok, donc lui, c'est le flic. Hein, il a double gun. Ok, ok. Quand on prendra le pistolet amélioré, hein, bien sûr. Desperado. Il n'a pas de compétences encore de breach. Et puis, voilà, on pourra toujours lui prendre le pistolet. De l'autre. J'hésite à le prendre tout de suite pour le leveler.
Mais on commence à avoir beaucoup de monde, hein. Alors, notre team. Notre team, c'était le tech, le bouclier et les deux. En fait, c'est l'équipe de base, notre team actuelle. Donc, on va virer Cherub parce qu'on va mettre son pistolet au nouveau et on va l'emmener le nouveau pour le tester sur le terrain. Normalement, ça devrait être pas mal. Et pour le reste, bah, on va mettre quelqu'un d'autre à l'entraînement. On va remettre Cherub ici. Comme ça, en deux tours, ils vont nous tacler la recherche. Ça va aller vite. Et pas d'opération spéciale parce qu'on entraîne nos troupes. Les opérations spéciales, c'est bien. On gagne du renseignement tous les trois tours. Mais voilà, pour le moment, on va dire que c'est moins grave. La recherche, c'est mieux. L'équipement, on va le faire au moment où on lance la mission. Et c'est cette mission-là qu'on fait. Allez, c'est parti. Donc, terminal. Ouais. Libérer l'équipement de tout le monde. On va récupérer alors. Oh là là, on a plein de trucs. On va déjà tester si elle peut avoir deux grenades ou pas. Parce qu'elle a un emplacement supplémentaire. Non, elle peut avoir qu'une seule grenade. Donc c'est bien un objet utilitaire. On peut lui mettre un nano medikit, par exemple, une grenade plasmique. Et plutôt une grenade flash. Et des munitions tranquillisantes. Voilà, très bien. Sa mitraillette, on n'en a pas d'autre vu qu'on n'a pas acheté celle qu'on nous avait proposée. Tissage d'infiltration, tissage surrénal. Renforcement supplémentaire. Mettons-lui un point de vie de plus. Et bombe perturbatrice, analyseur de cible. On va mettre l'analyse pour elle. Et c'est bon. Blue Blood. Ah! Il n'a pas déséquipé le flingue de l'autre. Donc ça n'enlève pas tout, hein. Alors, hop, au cas où ils doivent bouger, mais je suis pas sûr qu'ils puissent. Bombe perturbatrice. Munitions perce-armure. Et grenade. Plasmique ou acide? Dégâts d'armure 2, applique de l'acide dans la zone cible et. C'est bien contre les robots l'acide. On va dire. Ok. Et évidemment, il faut aller récupérer ce pistolet. C'est mitraillette, pistolet. Ok, les autres, on garde leur matos, hein, je crois que c'est bon. Godmother, le machin. La crosse. Ok, revenons. Sur Cherub. Comme ça, on aura directement ses capacités. Donc j'imagine que ce flingue, une fois qu'il aura la capacité, ne servira à rien. Ou avoir une capacité supplémentaire du même type. Si on a le tir nourri, bien sûr. Mais du coup, ouais, il risque de piquer quand même, hein. Voilà. Alors, on n'a pas d'équipement. Par contre, vu qu'on a une grenade supplémentaire, j'ai bien envie quand même de l'équiper sur les autres. La grenade. À la place d'une tranquillisante, par exemple, ou un truc du genre. À la place de la grenade qui désarme. Ah non, c'est quoi? Munition venin. La grenade qui désarme, est-ce qu'on en a besoin si on a des grenades qui tuent? Vous voyez le truc? C'est vrai que les munitions, on n'est pas obligé, mais lui a une grenade déjà. On peut l'échanger. Oui, là, il n'y a pas de grenade. Donc, munitions tranquillisantes, on met plasmique. Donc, on aura moins de tranquillisantes. Donc, on va équiper notre robot de tranquillisantes. Et d'un nanomedkit, s'il est là, c'est que ça couille. Le tissage d'infiltration pour qu'il puisse aller dans les. Non, on va virer ça. En fait, on va lui mettre le tissage plus un point de vie. Et le tissage d'infiltration, on va le mettre. Voilà. Parce que un point de vie, c'est rien du tout. Hein. Enfin, sur le robot, c'est bien, mais. Voilà. Le robot, on sait toujours pas. Hein. Mais c'est vu la taille de son shotgun. C'est abusé la taille qu'ils lui ont mis. Ok. Après, il fait peut-être plus de dégâts. Hein. Ok, allez, on lance la mission. J'ai même pas vu ce que c'était comme type de mission. On va voir la surprise. J'ai repéré la contrebande. Récupérez-la si possible. Infiltration depuis le toit. Alors, pied léger, frappe chirurgicale, les tirs touchent les ennemis. Sont critiques, donc ça c'est cool. L'unité gère son tour juste après le précédent agent. Ok, ça c'est balèze, donc on va le mettre en deux, ça.
Ça, il agira en 1. Réflexe amélioré, défense plus 25. Donc là, techniquement, je peux mettre Blue. Alors attendez, que je réfléchisse bien à comment on va organiser ça, hein. Il y en a un qui doit faire la brèche en pied léger. Disons Virgile. Ouais. Ensuite, on met Godmother en 3. Et lui. Et non, Terminal quand même en 2. Et défense plus 25 pour le nouveau. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il va jouer en premier. En 2, la capacité ruée va faire que Terminal va jouer aux mêmes initiatives que lui. Et ensuite, en 3, la frappe d'elle devrait faire qu'elle joue à la même init que elle. Le problème, c'est que je suis quasiment sûr que ça va s'activer à la fin du tour. Pourquoi? Parce que l'unité jouera son tour juste après le précédent agent. Le précédent agent, c'est le 1. Ouais, donc elle agira avant, mais elle va agir au moment où elle va tirer. Et elle va agir à ce moment-là, à son init à elle, qui n'aura pas encore été modifié. Alors, il est possible qu'elle joue pas où exactement on la veut. Mais bon, elle aura quand même gagné une init. Oui, bon, bah au moins on verra. À moins que ça se résolve tout à la fin, dans l'ordre, et ça serait cool. Est-ce qu'on a des bombinettes? Bon, on peut pas les lancer. Parce Il que est temps d'entrer. il n'y a pas d'endroit. Le rookie en premier, c'est bien. Vous avez raison. Envoyez les nukes d'abord. J'ai pas vu combien on avait de d'infiltration, dis donc. Oh, il y a des bêtes. Il y a des bêtes où on va. Alors, dégâts 3 à 5. Chrysalis, Chrysalis, nouveau-né. Cobra, 98 et 87 pour le tueur à gage. Il tire du poison, hein. Donc pas sur le Gobra ni sur l'androïde. Non, je crois qu'on va y aller sur la chrysalis, hein, simplement. Ah, elle est insensible au poison aussi, tu me diras. C'est con. Il y avait qu'une cible qui n'était pas insensible au poison, c'était l'autre. Là, c'est qui tire? On peut l'achever. Chrysalis nouveau-né, on fera pas de critique, hein. Cobra 100%, je crois que je vais y aller pour le Cobra. Alors 100% sur le tueur à gage, 100% sur le droïde. Le droïde, alors on fait frappe alpha bien sûr. Pourrait le tuer, hein. 100% de critique. Donc il est séché, ouais. Virons le droïde. Et enfin, au pistolet, bah, on fait des dégâts un peu pourraves au pistolet, donc autant y aller sur la chrysalis. Même si c'est un pistolet plasma, hein. Le skin et le tir. Alors, récupérer l'épreuve. Voilà, donc là, regardez, ça s'est bien passé. En fait, ça a bien fait dans l'ordre d'infiltration. Mais ça aurait très bien pu faire, vu qu'au moment du tir, elle prend l'initiative d'elle, qui était en 4. Qui était en 2. Ah, qui était en 2. Oui, donc dans tous les cas, elle serait arrivée là. Oui, bah ok. Non, non, mais ça fonctionne. Je suis content. Je suis content que ça fonctionne. Alors, bannissement. On a combien d'infiltration? Probablement pas beaucoup. Stupeur. Chrysalis, ça peut pas tirer. Ça non plus. Ça peut tirer sur l'autre à côté. Ouais, faisons la folie de combat sur le Cobra. Ça vient enlever son couvert en plus de lui mettre 5. Donc ça c'est vraiment cool. Et le tueur à gage. Petite stupeur. Je pourrais simplement tuer, hein. Je pense qu'on peut directement s'acharner sur les unités, elles sont nulles. Enfin, elles sont quasi mortes. Insensible au poison, on utilise des armes épiques, ouais, ça va le faire. Alors, fist bump et on tire. Sur Godmother, ça lui fera un tir de plus.
Ou essayons sur le nouveau? Ouais, mais non, il n'a qu'une capacité. Non, attends... Vas-y! Ok, comme ça on tire simplement. On se prend pas la tête, 72%. Bim! C'est chez net. Ah, je m'attendais à voir le truc assommé, mais en fait non, on lui a enlevé les munitions. Ok. 65% pour le cobra, 4 points de vie, ça peut tuer. Et là, je garde toutes mes grenades et tout, hein. Mon travail d'équipe et compagnie, hein. Inconscient. Du coup, action disponible 3, on peut tirer 3 fois sur le gars qui est planqué derrière le truc. À 63, ça paraît bien. Raté. La crosse, par contre, ce qui m'embête, c'est qu'on avait une crosse qui faisait 2 de dégâts, et vous voyez comment elle a été transformée. Ah non, c'est toujours l'armure, à chaque fois je me fais avoir. Il lui reste un point, et après on aura le nouveau, hein. Ah oui, mais attendez, on va encore se faire avoir sinon. On va aller chercher le matos. Hop. Oh ouais, ça on avait fini la dernière fois et ça l'avait pas fait. Je bouge. Du coup il a joué. Arme de la cible en joue. Il nous a raté, très bien. Donc il est down. Probablement. Alors, Blue Bloods. Donc le tir nourri, c'est quoi ces trucs? Œil de lynx? Ça met pas fin au tour, hein. Je vous tiens. C'est pété. C'est pété. Il a touché à 30%, bon, tout va bien. Nouvelle infiltration, très bien. Ah, on n'a jamais fait ça. Échelle, échelle, échelle. Alors, rue et le jour juste après le précédent agent. Juste après le précédent agent, donc ça c'est vraiment sexy. Rue et juste après le précédent agent. Donc là, vous voyez comment tout le monde va jouer en premier. Donc en fait, c'est ici qu'il faut mettre un. Faut vraiment bien voir le truc, hein. Donc là, on va pas avoir besoin de faire des trucs bizarres, on va juste balancer des greux. Parce qu'il n'y a pas d'ouverture en fait, si je dis pas de bêtises. Donc on va jouer en premier, terminal. Et si, il y a des ouvertures quand même, il y a grimpé à l'échelle. Ok, donc on pourra pas lancer les trucs, mais c'est pas grave, on va jouer en 4 Blood Blood. On va mettre en 2 Godmother, on va quand même garder l'ordre qui est très bien. Ouais ouais, on peut pas faire de trucs, bah go. C'est l'heure. Et il y en aura pas d'autres parce que c'était 2 sur 2, hein. Donc là, tout le monde va jouer avant l'ennemi. Normalement, on va faire un carton, hein. Je sais pas combien ils sont 5. 100% sur le purificateur. Sur la tourelle. On a les perces armures avec elle, je crois, hein. La CEM, oh bonjour madame. La grosse CEM qui tâche. Ok, et un bombardier qu'on connaît pas non plus. Ok, 2 d'armure. Bon. Si on avait le perce armure, je crois que ce serait indiqué, hein. Donc on va tirer sur la CEM quand même. Pour l'entamer. Ouais, ouais, c'est pas perce armure du tout. Ici, on a quoi? 94, 93. Je pense qu'il faut faire ça. Et il nous reste un tir. Alors lui, c'est poison. On a un protecteur là-bas, allez vas-y. Voilà, comme ça on l'empoisonne. De toute façon on va avoir l'init avec tout le monde, hein, donc on peut y aller cool. Et je pense qu'on termine la CEM. C'est lui le perce armure. 3-4. Munition AP. Donc là on a pris des tirs, hein, évidemment. C'est un petit peu la violence. Il y avait plein d'agressifs, mais il y avait plein de monde surtout. J'ai la cible en visuel. Dès que vous l'aurez, filez. Ok, alors là, faut pas se rater, hein. Alors, on peut faire agir Blue Bloods, mais en fait, c'est nul. Il faut que elle... Ah, c'est con. Le travail d'équipe, on le refasse sur elle une fois qu'elle aura agi. Donc on peut soigner quelqu'un, par exemple. Le nouveau. Gremlin en route. Et tirer. J'en avais besoin. Hop. Tourelle, 100%. On va peut-être faire une flashbang avant.
Y a deux gars là qui ont bien besoin de se faire flashbang. Je sais pas si ça va marcher. Là oui. Je vais griller des cornets. Allonge toujours bien le bras. Bim, et de deux. Hop, et la tourelle, 90%. Qu'est-ce qui s'est passé entre mon 100% de tout à l'heure et mon 90% maintenant? On ne saura jamais. Et on a fait des dégâts minimum. Ok, Godmother, elle a deux tirs. Deux tirs. Et elle peut redemander à elle de jouer. Ouais, on va faire ça. Ça, elle va pouvoir se soigner. On a un million d'actions en vrai. Ok, là on va faire les tirs tranquilles à 90, 94%. Critique, c'est joli. Fallait pas rester dans l'open, petit. 94, ouais. On termine. Bon, ça, tout le monde aurait pu le faire, mais vu qu'il y avait beaucoup de points de vie, c'est mieux que ça soit le shotgun qui fasse ça. Là, on a deux gars avec la défense, mais si le drone est reparti, je suis pas sûr qu'ils aient de la défense qui reste. Hein. 90. Ben, on va encore se rater, là, non? Allez. On s'est encore raté, mais c'est pas grave. Hein. Le petit tir au pistolet suffira pour l'achever, probablement. On a le bannissement possible sur une cible. Bon, évidemment, pas sur la tourelle. Lui, ce serait dommage. Lui, on n'aura pas assez. Donc, stupeur là-bas. Pour qu'il agisse pas trop et qu'il meure du poison. Et l'autre, on va lui faire la folie de combat. Montrez-leur ce que vous ressentez. Ça videra toujours une munition. Éradication. Très bien. Ça lui a enlevé le confus, par contre, le fait d'être à esprit brisé. Intéressant. Alors, tir nourri. Non. 64. Alors, mettra fin au tour. Œil de lynx ne met pas fin au tour. Et tir de l'arme. Mettra pas fin au tour. J'ai un doute. Écoutez, on va faire un tir normal. Et on va voir si ça met fin à son tour ou pas. Ou alors je balance de l'acide avant. C'est la dernière mission, hein. Lançons de l'acide. Ah, c'est 3 cases. Ah oui, c'est très petit l'acide. Du coup, c'est pas fou, hein. Ouais, du coup, c'est pas fou. On va essayer juste le tir simple, voir s'il aura un deuxième tir. Ok. Non, il a pas un deuxième tir. Si, il a un deuxième tir, d'accord. D'accord, d'accord. Donc on peut faire le tir nourri derrière, à 64. Touché, touché, touché. Ok, ça va, il est mort. Va falloir envoyer quelqu'un fouiller ça. Réduisez le troupeau. Esquive écorchure. Tout va bien. On va se prendre les tirs, on s'en fout. Hein. On a déjà soigné. L'important, c'est pas se prendre de blessures graves. Je Les blessures légères, ça pose pas de soucis. Voilà, là, on va se mettre là. En mouvement. T'arrêtes pas. J'ai pas utilisé la grenade aussi qui permet d'avoir des actions. Caisse blindée. Et on a les vagues. Ah, les renforts. Ok. Mauvais plan. Très mauvais plan. Parce que si on avait fait jouer quelqu'un avec la bombinette, ce quelqu'un aurait rejoué dans le tour. Donc il aurait pu revenir à l'évac. Alors que là, on a bougé directement en Godmother en se disant bah go. Et en fait, fallait pas. Donc on va préserver Godmother. Laisse la technologie faire son travail. Histoire de lui mettre un peu de défense. J'en avais besoin. Et on va flinguer un truc. Complètement raté. Du coup, je peux faire un...
un truc sur Virgile. L'autre soldat, il est pas affecté là? Si, il est dans mon truc aussi, donc je pourrais blesser les deux. Grenade perturbatrice pour désarmer celui-là. Grenade! Et on va se faire des dégâts, comme ça on pourra se soigner. Alors 2 et 3. Ok, lui il va prendre le poison, il est mort. Donc c'est bon, on en a eu un au moins. Et on régénère de 2. Hop, non, on régénère même 2. Ouais, de 2. Donc oui, avec la régénération et tout, oui, c'est un peu pété quand même. C'est un petit peu pété. Alors, tir d'arme, vu que le pistolet tire 2 fois. 51. Ouais, on l'a eu. Et puis on va faire un overwatch sur la zone où ils vont apparaître. Donc peut-être par ici. Je vais être à sec. Je manque de munitions. Ok. Bim, et 3. Ah, il fait pas de gros dégâts, mais avec le perce armure déjà, ça... Ça rend au moins le dégât sûr. Et ça, c'est vraiment cool. Je vais être à sec. Ok, alors... elle peut évacuer. Bah go, hein. Couvrez-moi. Heureusement, il n'y a pas d'overwatch. Hop, hop, hop. On n'a pas utilisé la grenade plasmique, on n'a pas utilisé la bombinette. Non, franchement, on a fait ça comme des chacals. Ok. Mon arme sera bientôt vide. Je peux faire un fist bump pour qu'il ait assez pour revenir. Parce qu'elle, elle a besoin de rien d'autre. Hein. Donc on va utiliser ça sur lui. Ce qui va nous faire un mouvement gratos. Je mets quand même à couvert hein, au cas où. Et là, du coup, on est back. Je vais là où je dois être. Ok. On lui est un peu loin, espérons qu'il nous massacre pas. Cible acquise. Salope. Saloperie. Il nous a eu. Ok, c'est pas grave. Alors attendez. Comment qu'on fait? Comme ça, j'aurais une visée sur lui. J'aurais pas de visée là-bas. Alors attendez, je vais me décaler. Non, on a qu'un gars qu'on pourra viser. Le gars derrière J'y vais, le bureau. Je fonce. Mais on va lui faire un bannissement. Raté. Est-ce qu'il va continuer à tirer dans le vide? Non. Ça économise des munes, du coup. Mon arme va être à sec. Ok. Grenade, c'est gratuit. Et on n'aura pas de tir de toute façon. Je lance une grenade. Bon, j'ai mis ce clic, donc ça tombe bien. Barrons-nous. Personne l'a vu. Personne dans les squads n'a vu mon mis clic. J'aurais pu faire le tir quand même avant. Hein. Qu'est-ce que t'as fait de ta grenade, le nouveau? Je l'ai dû la faire tomber, chef. Quel nul. Bon, c'est une victoire, la mission était simple. Hein. Par contre, il y avait quand même des grosses bêtes, hein, mais vous voyez, maintenant on commence à avoir du matos, ça va mieux. Hein. Alors, tissage, flux, modification de blindage, grenade électrique, faut qu'on regarde. On a trop de grenades, hein, aussi simple que ça. Les mercenaires que vous avez rencontrés faisaient partie du réseau Shrike. La cité 31 les payait pour assurer la sécurité juste après la guerre. Après la formation de la police locale, le réseau Shrike s'est dispersé. À l'époque, c'était plus une bande de mercenaires qu'une cellule de résistance. Qui les dirige? Ce n'est pas aussi simple. Shrike opère avec des cellules indépendantes. Chaque cellule détermine les missions dont elle veut se charger. Certaines protègent les réserves de nourriture de la ville. Et d'autres jouent les gros bras pour des individus très louches. Et si on en rencontre d'autres sur le terrain? Ils devraient être assez malins pour éviter un affrontement avec la réhabilitation. Et dans le cas contraire, règles d'engagement standard. Ok. Bon, d'anciens mercenaires, c'est pas cool. Alors, l'évolution, avec ça a augmenté à 4. Ridicule. Pourquoi je préfère la précision à la pagaille d'un fusil à pompe? Je veux dire, pourquoi te fier à un truc aussi petit?
C'est élégant, ça ne s'enraye jamais, et une fois que c'est rangé, on oublie que c'est là. C'est ce que je veux dire. Je vois à peine ton arme quand tu tires. C'est vrai. C'est le Goliath bruyant qui attire l'attention. Moi, je descends ceux qui voudraient lui faire du mal. Astucieux. Très bien. Ça mérite le respect. Ok. Sniper et le Goliath, c'est vraiment les deux opposés. Hein. Il y en a un, il aime bien prendre des coups et puis foncer dans le tas. L'autre, l'autre ne pas en prendre, justement. Ok, assemblage dans un tour. C'est bien 3 points. Hein. Donc, nickel chrome. On va aller regarder les missions, vite fait. C'est une analyse. On a de quoi en gratter une. Incendie dans un entrepôt ou... Situation, machin chose. Ok. Elles sont quelles? Elles sont que level 1. Pourquoi les améliorer, hein? On est samedi, c'est le dimanche qu'on est payé. Non, c'est le vendredi, on vient d'être payé. Donc ça sert à rien de les améliorer tout de suite. Ok, on va garder. Vu que ça demande rien pour les améliorer, hein, on peut simplement les faire. Donc là, j'aimerais bien laisser passer celui-là à 2, finalement, et faire celui-là. Mais il faut que je me méfie quand même des missions importantes. Si une mission importante vient là après, bon, on pourra la réduire et réduire de 2. Ce sera plus intéressant que de réduire que de 1 et de 1. Si jamais une mission importante vient là. Et évidemment, si ça va là ou là, bah tant pis, on réduira de 1 quand même, mais... donc, on va pas faire celle-là. Non, c'est celle-là qu'on va pas faire. Ouais, mais on va la drainer, de toute façon. Est-ce que ça va pas, dans tous les cas, faire les deux? Bah si, je dis de la merde. On va prendre l'hélérium. Voilà, comme ça, ça montera pas. Et puis on prendra ça. Ça, on peut pas la faire. Donc on prendra celle-ci. Ok, et tout le monde est prêt, tout le monde est en position. L'entraînement, toujours en cours. Et ben go! Allez. J'ai peur de faire des conneries à chaque fois quand je passe le tour, comme ça. Je sais pas si ça vous fait le même effet ou... 80 crédits. Ok, on est dans le rouge là-bas. Mais on a le, la précaution. Ou simplement envie de distraire les enfants, c'est là où ça va commencer à être chaud. Venez à la psychobulle. Nous sommes à 3 blocs de la place de la cité 31. Fuck. Des bandes dessinées de l'ancien monde et du nouveau. Venez voir ce à quoi tout le monde pense. Ok, donc là, on a pas de bol parce qu'on a une mission supplémentaire qui nous permet d'améliorer cette mission. Mais comme vous le voyez, si jamais on laisse passer, on va avoir de l'unrest. Donc en fait, je suis obligé de faire précaution là-haut. Mais après, ça va monter de 3 ici, 3 ici, 3 ici. On va pouvoir en faire une des 3, ce qui veut dire qu'on va quand même avoir 6 points de montée ailleurs. Et parce qu'on n'a pas le, le clap pour empêcher. Ou alors, je laisse ça, réduit le chaos urbain, en laissant monter. Mais à ce moment-là, on sera passé une fois en anarchie, ce qui est pas cool. Le vol d'armes, on peut pas le faire. Mitraillette légendaire. Fuck. On peut pas le faire parce que ça va nous faire monter à 4 ici. Agitation, chargeur amélioré, avancé. Oh là là, mais on peut pas mettre la mitraillette légendaire au rebut quand même. Et là, bah on peut pas le faire non plus, la découverte de l'opération plus de jours, parce que... Parce que c'est à 0. En vrai, là, on va devoir grider là. Mais il faut quand même que je coupe là-bas. Ouais, on va enlever ça. Comme ça, ça c'est fait. Et ensuite, on aura 2 trucs à 3. Un truc, non, un truc à 3, un truc à 4 et un truc à 0. Et là, vous voyez, si je fais celle-là, je me retrouve avec un point que j'enlève pas. Alors que si je fais celle-là, j'enlève un point dans la foulée. Techniquement, c'est celle-ci qu'il faut faire. Mais bon, l'item est trop important. Mitraillette légendaire, quoi. Alors, on va aller regarder là. Ah bah, il y a une mitraillette légendaire aussi, dis donc. Constance Mossad. On voit que c'est pas les mêmes compétences, donc ça veut dire que c'est aléatoire. Ça donne une capacité aléatoire à chaque fois. Confère la capacité pluie de balles. Pluie de balles, c'est toucher automatique contre tout le chargeur. C'est pas mal. Endommage ou retire ou détruit le blindage des cibles dans un petit rayon. Une grenade. C'est quoi? Fragmentation, ok, on s'en fiche. AP. Munition AP, c'est sympa, mais on a beaucoup trop de matos maintenant. Ou alors on achète ça et on fait l'autre truc. Parce qu'on aura quand même la mitraillette du coup. Mais au prix de 130 alors qu'on peut l'avoir gratos. J'ai l'impression qu'on va faire une erreur là. Ça va nous... Ça va venir nous mordre des fesses. Hein. Parce que ça, ça va rester. Et on va être obligé de faire ça le tour d'après. Donc là, ça va monter à 4. Si jamais il y a une mission... une mission, vous savez, celle avec l'œil. Ici, ça fera 5. Ah, ça montera pas à 6 en même temps. Ouais, mais après, on aura ça à faire. Parce qu'on va faire ça après. Donc ça, ça va arriver à 3. Ça va arriver à 0. Et on sera obligé de la faire. On aura peut-être un tour pour la faire.
Ce qui nous permettrait de finir là pour redescendre à 4 et on pourra faire un clap ici, au cas où il y a un truc. Ça va être chaud. Mais normalement, ça passe ric-rac, hein. Tac, 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 ça fait 2, 4, 6. En gros, faut compter qu'on va avoir 2 points au prochain tour et 6 points au suivant. Donc si c'est mal réparti, on va galérer. Si c'est bien réparti, on s'en sort. Donc espérons que ça soit pas là-bas. Et puis qu'on y arrive. Alors, nouveauté, ravitaillement, sérum stimulant, cuirasse infernale et tissage régénératif. Nouvelle mission de tech. Point de vie plus 2, d'accord. Voyons si on peut lui mettre un truc. Donc lui et le sniper seraient bien ensemble du coup, hein. On va regarder. Lui n'a plus d'entraînement. On va regarder Cherub. N'a plus d'entraînement. Torque. Ah, torque à mobilité et esquive. C'est quand même balèze. Ça lui fait 120 en esquive et plus 1 de mobilité. Validé. Et du coup, là... on va prendre Axiom dans l'équipe. Axiom. Axiom et on va virer... Allez, on va virer le psy. C'est le seul avec un fusil d'assaut par contre. Pistolet, hein, pompe, pompe, pompe. Ou alors je vire Godmother. Qui a déjà bien monté depuis le début. Hein. Mais elle est toujours pas montée niveau max. Godmother, je sais même pas si j'ai fait des missions sans elle. Ça fait un peu peur de pas me la prendre. Hein. Ça fait un peu peur. Ok, Godmother, tu vas à l'entraînement. du coup, son équipement, on va le mettre à Axiom. Ça va pas coller, hein, l'équipement sur Axiom. Quoique, que si, je pense qu'il y a des moyens. Alors, marché des pillards ouverts. Ok, alors, on a une mitraillette, nouveauté du ravitaillement. Alors, regardons. Renvoie 2 à 4 de dégâts subis au corps à corps à l'attaquant. Ok, ça c'est sympa. Mais ça n'enflamme pas la cible. Normalement, ça enflamme, hein, l'accusa, le truc infernal. Tissage régénératif, régénère 2 de santé chaque tour. Ah, par contre, il n'y a pas de nombre limité, donc c'est 2 de santé par tour, tout le temps. Donc ça, c'est complètement pété sur un combattant. Ouais, ok. Et sérum stimulant. Le sérum stimulant améliore nettement la mobilité et le blindage d'un agent, sous son effet est augmenté de 3. Ok, 3 en blindage, c'est énorme. Il immunise aussi temporairement contre les effets mentaux négatifs comme la panique et le contrôle mental. Ah. Ouais, c'est fort, c'est fort. 3 en blindage, 3 en mobilité, c'est surtout la mobilité que je vois parce que si jamais on veut faire un stomp avec, avec notre muton, justement, on pourrait lui prendre un sérum. Ok, mais c'est un item. Ça, c'est une défense. Défense, c'est facile à équiper. Le tissage aussi, c'est facile à équiper. Indisponible pour gel. 471 crédits, on a un. On va prendre ça, et on va prendre ça. Merde, non. Ah oui, c'était pas le truc. Je voulais pas le prendre, le machin de feu, là. Qui renvoie les dégâts. Ok, on va se prendre une nouvelle amélioration. Alors, bah les pistolets, pourquoi pas. Ça va prendre un tour. Autant en faire fusil à pompe de mètre. Hein. Ou blindage de mètre, carrément, tant qu'on a encore deux gars de près. Un tour pour les viseurs. Fusil d'assaut amélioré, deux tours. On a deux gars qui ont des mitraillettes. On a un gars avec un fusil d'assaut, on a deux gars avec pistolet. Bon, allez, va pour pistolet. Entraînement terminé, ok, on l'avait vu. Évolution de l'anarchie, d'accord. Du coup, j'achète ou pas le pistolet? On peut le prendre, hein. Constance Mossad. A été rejeté parce qu'il consommait trop de munitions. Bah oui, vu que ça te touche auto si jamais tu crames toutes les munitions. Je crois que je vais la prendre quand même. Même si on va en prendre une autre. En fait, vu qu'on a une mitrailleuse maintenant épique, on n'a pas besoin d'aller chercher celle-là, vous voyez. On pourrait réduire le 1 point, ici. Ça, c'est la prudence. Mais nous, on va grider pour l'item. Ok.
Alors, fusil à pompe. Là, on a une mitraillette à changer. Et on va utiliser la constance Mossad. Ok. Ouais, plus de balles. Ouais, voilà, c'est ça. Ça tire 3 fois. Lance une pluie de balles qui atteindra obligatoirement la cible en échange d'une grande quantité de munitions. 3, il nous restera quand même une balle, hein, parce que ça a 4 de munitions, un fusil. Le tissage d'infiltration. On peut le virer. Pour mettre un tissage régénératif. Comme ça, elle aurait jamais à se soigner. Et elle se régénérerait tout le temps. Vaudrait mieux le mettre sur le gros. Hein. Le gros, il a quoi? Non, il a le truc normalement anti-Overwatch. Insensible aux étourdissements et à la désorientation. Tissage flux, c'est balèze aussi. Alors, rend insensible aux étourdissements et à la désorientation. Je crois que régénérer 2 points de vie, c'est bien. Ça, on s'en fiche. C'est seulement protecteur. Aux effets environnementaux, non, c'est bon. Ok. Alors là, on a. Premier tir réflexe. C'est celui-là qu'on met d'habitude sur lui. On va le virer d'ici. On va le virer d'ici. Alors, tissage surrénal. Lui, on va lui mettre. Insensible aux étourdissements et à la désorientation. Voilà, très bien. La régénération, on va pas le mettre sur le gros. Même si c'est lui qui en aura le plus besoin. Il nous faudrait deux pièces d'armure. Donc peut-être en améliorant les armures. Mais lui, il faut qu'on lui mette. Premier tir réflexe est ignoré. En même temps, est-ce qu'on a vu beaucoup d'Overwatch? On n'a pas vu vraiment d'Overwatch hein, de la part des ennemis. Ouais, pour le moment, je vais pas le remettre, le petit truc. Change d'infiltration. Grenade électrique. Ouais, l'inducteur de mobilité, ça c'est bien. La grenade électrique. Alors ça fait quoi? Dégâts au robot 2, portée 12, rayon 4. Inflige des dégâts aux unités robotiques. Dégâts au robot 2. L'électropêche, adaptée aux grenadiers EM standard XCOM. Ouais, ça a l'air vraiment nul par contre. Mais si là ça les stun en même temps, bon, on va la tester. Voilà, donc là il y a une grenade, un truc, une grenade acide, ok. On va virer ça. Le tissage d'infiltration là. Tant pis, on s'infiltrera pas dans des trucs. Pas de dégâts environnementaux sur elle. Voilà. Alors, elle a déjà le nanomedikit, donc on pourrait le virer. Pour lui mettre une grenade plasmique. Eh ben non, ça marchera pas. On va voir ce qu'on peut lui mettre d'autre. Grenade, grenade. Qu'est-ce que t'as à toi? Ouais, on a mis du matos là-bas, mais je sais même pas pourquoi. Il y a quoi comme objet? La bombe perturbatrice, non? Ouais, c'est parce qu'elle en a 3. C'est marrant parce qu'il n'y a pas marqué la place. Il y a... Ah si, au-dessus. Elle est au-dessus, la place. Ok. Je pourrais mettre ça. Je pourrais mettre ça, mais... Du coup, on le remplacerait par quoi? Par un nanomedikit sur le gros? Comme ça, il prendrait au moins pas le poison. Ouais, on peut faire comme ça. À la limite, c'est moins choquant. Grenade flash, inducteur de mobilité. Voilà. Et puis là, crosse avancée, poignée réflexe. Alors, on n'a pas besoin de la poignée réflexe. Par contre, la crosse avancée sur le pistol, ça a l'air sexy. Hein. Vu qu'il a la même capacité, ses combos. Donc, crosse avancée. Et la poignée réflexe, il n'y a pas besoin parce qu'il le fait naturellement, la poignée réflexe. Il a le desperado. Ça met pas fin au tour, donc voilà. Par contre, on peut mettre sur Axiom aussi le truc. Virgile, il a pas besoin parce qu'il fait des pouvoirs psy. Terminal, par contre,
quand elle soigne pas ou quand elle fait pas la grenade mobilité, elle a deux actions, donc un pour bouger, un pour l'autre. On pourrait utiliser la poignée. Et puis Axiom, si on... oui, Axiom aussi, tu me diras. Mais Axiom, je lui ai mis un truc, justement. Nanomedkit. Ah bah non, je lui ai enlevé, du coup. Non, non, c'est sur Axiom qu'il faut mettre ça. Elle aura toujours des trucs à faire, je pense. Des soins, des conneries. Voilà, donc là, il pourra tirer et il pourra smash après avoir tiré. Et ça, c'est plutôt cool. Ok. Bon, essayons comme ça. C'est le bordel. Faut vraiment qu'on arrange notre matos, hein. Qu'on teste des trucs et qu'on vire des trucs, surtout. Un informateur a parlé. L'ennemi dispose d'une arme spéciale. Une arme spéciale. J'espère que c'est un robot. Alors, lucarne, prêt à tout, esquive plus 50. Ok, prêt à tout, esquive plus 50, ruée, difficile à toucher. Les ennemis infligent un point de dégâts en moins lors de l'infiltration. Alors, lucarne, boom, en deux. Voilà, comme ça, celui-là, c'est comme la capacité de Godmother. Et on va mettre... terminal. Il agit en deux, donc Axiom joue. Terminal joue, Axiom rejoue. Ouais, c'est pas mal. Et plus 50 en esquive, plus 50 en esquive à Virgile, est difficile à toucher l'armure pour le nouveau. Parce qu'il a moins de points de vie, et c'est mieux. Restez derrière moi! Restez pas groupés! Et lui, il est toujours en premier, hein. Il saute dans le truc. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Tourelle. Purificateur. Android là-haut. Un bombardier. Alors ça m'inspire pas confiance, les bombardiers, quand même. Hein. Et colosse. Ok, on a des sales tirs. Hein. À partir des deux premiers, on a que des sales tirs, mais les quatre vont nous tirer dessus, là. On va prendre supra cher. Hein. Je regarde s'il y a du critique. Ok, personne n'a du critique. Autant tirer là-haut. Il y a une chance de le tuer net sur un coup de bol. Non. Bon, bah, faudra le finir au pistol. Pourquoi j'arrive pas à voir qui tire. Alors. En fait, je sais pas sur qui il tire, donc c'est l'un des deux là. Hein. Voilà, ok. Tourelle à 100%. Ok. On peut achever la tourelle. Endommager le purificateur. Est-ce que on tirerait pas deux fois sur le purificateur quand même pour virer son lance-flamme tout de suite? Ouais, je crois que c'est ça. Insensible au poison, dommage. Du coup, on risque de pas le tuer, donc non. Changement de plan, mais bon, c'est le seul à qui on a 100%. Eh ben, tant pis. 43% de critique. Ouais, on a pris un peu de dégâts, c'est rien. Cible en vue. Il y a du monde, hein. Et nos gars sont pas haut level, hein. Finalement, sans Godmother, sans rien. Donc là, on va récupérer Blue Blood. Un travail d'équipe. Ou alors le psy. Non, je crois que c'est Blue Blood. Pour vraiment gagner d'init sur tout le monde. Et bah là, on peut tirer une fois et après faire une action. Donc, on achève cette tourelle. 6% raté. Ok, très mauvais signe quand ça commence comme ça. La grenade électrique qu'on aurait pu faire au lieu de tirer sur la tourelle, mais bon, on aurait raté de toute façon. Hein. Alors, oh, ça m'embête. Voilà. Tire ami. C'est quoi l'ami? Ah, mais c'est un civil le troisième. Putain, je m'efforçais à tirer sur le civil quoi. Ok, oui, oui, bah non, ça va être plus simple alors. Ah non, là maintenant je vais pas réussir à ne pas le prendre dans le champ. Grenade! Ok, il est un peu stun. Est-ce qu'il est stun? C'est pas marqué. Normalement il y a un chiffre. Donc là j'ai l'impression qu'il est juste stun pour l'action en cours. Hein, mais qu'il va se lever avec ses deux actions.
Du coup, il nous reste une action de tir ou de smash. Bombardier 85 partout. Ok, on pourrait faire ça, mais je préférerais carrément pouvoir stun un truc, le nécro genre. Donc on va y faire la motivation. Je suis chaud bouillant. Puis espérer que ça fonctionne. Non, oui. Peu importe le côté, est-ce qu'il y a une importance? Je crois pas, hein. Bon, lui en plus il a une petite icône, récupérer la symétrie cruciale, c'est lui qui a le flingue, ok. Œil de lynx. On le bute. Et sans œil de lynx, il y a une chance de le rater. Après, on a aussi une grenade acide qui peut toucher les deux là. Hein. Je lance une grenade. Ça va shred les deux d'armure du gars derrière. Après ça, il a plus d'armure. Lui a pris deux. Ça fait quand même deux de dégâts, non? Mais du coup, on peut l'achever. Hein. 71%. Ouais, on a la crosse. Hein. Symétrie cruciale. Ok. On l'a récupéré. Et il nous reste une action. On va faire un tir nourri sur le cobra. Là-bas. Est-ce que c'est utile? Ouais, c'est quand même pas mal, un hein, 3 tirs là. Sachant qu'il y a la crosse. Il suffit qu'on touche une fois et qu'on rate deux fois. Mais il a un d'armure. Alors que là-haut, je peux simplement ne pas utiliser mon tir nourri. Et tuer le robot, en fait. Alors, attendez. Juste faire ça sur le robot en haut. 63%. C'est qui joue après? C'est le tech. Ouais, on va faire ça. Alors, il débute, mais il fait déjà sacrément de dégâts, hein, le petit Blue Blood. Donc là, plus de balles, on a un tir auto, mais on peut faire un injecteur. Alors, pas sur toi, mais sur le petit jeune. C'est, il rejoue. Et là, on pourra faire son truc. Donc on va faire d'abord un tir là. Sur le bombardier, on peut peut-être faire un tir nourri. 66% pour le tir nourri. Non, l'œil de lynx, je voulais dire. 57% pour l'œil de lynx. Par contre, c'est le bordel. On sait pas combien il fait de dégâts. 4 à 6. Ok. Ouais, c'est exactement ce qui est indiqué. 57%. C'est tentant, hein. Allez. Je vous tiens. Ok, ça fait au moins 2. Et tir nourri sur le cobra cette fois, on va le tenter. Mais il nous reste plus assez de munitions. Ça va faire que 2 tirs en fait. Ah. Du coup, c'était pas malin. Ok, autant pour moi. Revenons sur. Sur lui là-bas, 66. 3 de dégâts. L'autre, sauf que là, on l'a touché. Hein. Ok, bon, bah, c'était pas fou. Mais je pense que lui va quand même prendre 2 de dégâts dus à l'acide. Hein. Je suis pas sûr de mon fait, mais espérons que oui. Du coup, on va fist bump. Axiom. Juste pour être sûr. Et on va resmash quelque chose. Alors, est-ce que je resmash lui ou je vais smash là-bas? Il passe dans l'acide, j'aime pas ça. L'acide, est-ce que c'est du poison? Parce qu'il a le medikit. Non, ça lui indiquerait pas. Hein. Eh ben, on va aller sur le colosse alors. Je brise les crânes. Ok. Pas fou. On aurait pu soigner. Alors, on a quoi? On a une plasmique aussi. Hein. Je lance une plasmique. J'utilise beaucoup trop de matériel. Mais je peux l'achever maintenant, du coup. 70, 100% sur le cobra. Non, pourquoi il me met 100 alors qu'il me met 70 ici? Et le truc. Il met 100% sur la caisse qui fait exploser l'autre. Ouais, 70 sur le cobra. Non, je crois qu'il faut tenter ça. Ou alors, on achève celui là-bas qui va se réveiller. Hein. On peut faire une pluie de balles dessus, par exemple.
Et en notre psy, gérera les autres. Allez. Parce que là, je suis sûr qu'il est pas stun, hein. Sinon, il y aurait un chiffre. Donc, plus de balles. Ah, on lui a mis deux. On lui a mis deux. Le pire dégât, quoi. Ah, il est colère, Axiom. Bon, bah on s'est fait eu, hein. Mais c'est pas grave. On va faire stupeur. Bah, du coup, pas sur lui. Lui, oui, il va sûrement mourir du poison. On va faire stupeur là-dessus. Étourdi 2. Bon, bah au moins, ça règle le problème. Et on va achever. Ou pas. Et on régénère un point de vie. C'est bien sa capacité, hein. Voilà, donc là, vous voyez, il a la même icône. Oui, 3 de brûleur acide. Ok, ça pique. Lui, il régénère aussi les points de vie. On va utiliser le nano medikit sur nous-mêmes. Même si on régénère, il n'y a pas de raison. On smash lui. Je passais par là. Donc là, ça le tue, hein. On aurait peut-être dû la semer simplement. Et ça l'a énervé. Du coup, il tire sur l'autre et il lui met 7. Ok. Ok. Reste cool. Mais c'est trop puissant son énervement. On n'a jamais vu qu'il tirait sur nos troupes, hein. Mais pour le moment, ça a l'air balèze. Hein. Et il s'est énervé en faisant un smash sur un truc, quoi. Ah, c'était fini, dis donc. Il s'est énervé en faisant un smash. Pourtant, il n'a pas pris de dégâts en faisant le smash. Que je me trompe pas. Bon, on est passé à 4-3-2-2. Donc là, on est vraiment pas bien. Hein. Mais on a récupéré symétrie cruciale. Alors, on va regarder l'arme, hein, ce qu'elle fait. Alors, agent inactif, promotion. Notre nouveau. Aïe, ah yeah, il a la capacité de débloquer. Tire sur une cible au pistolet, lanceur. En ignorant tous les bonus de couverture. Donc ça, tir de lanceur. Alors, je sais pas ce que c'est le pistolet lanceur. C'est son flingue ou c'est autre chose? Parce que c'est tir de lanceur. Ouais, c'est louche. Rien de plus. On peut l'emmener à l'entraînement. Parce que ce serait bien de lui augmenter ses deux points de vie, mais en même temps, voilà, on commence à être un peu dans le jus là. Hein. Un peu partout. Alors là, ça va augmenter de 1 point un endroit qui est bien. Un endroit qui est bien. On n'a pas ça pour prendre. Et ça, on peut pas le faire. Et ah non, il nous l'a viré. Le centre historique. Donc on n'est pas obligé de la faire. On peut faire une des deux là. Donc évidemment on va faire celle là comme ça, ça passera à 2. Et ici ça montera pas. Participer à l'assaut de la police. 50 délirium contre 62 renseignements. Par contre c'est ça qu'on veut, hein. Ok. Et là pourquoi ça clignote? Ça va pas monter, hein. Là ça va monter, mais pourquoi là? Oh, normalement c'est bon. Ok, alors Clémor, n'a plus d'augmentation à faire. Terminal, non plus. Virgile, aucun. Axiom, non plus. Blue Bloods, ah, plus de points de vie, bah oui, c'est normal. Il l'a pas encore fait. Godmother, non. Cherub, non plus. Et Torque est en cours. Eh ben, oui, hein, on va pas perdre de temps. On va envoyer le Blue Blood prendre ses deux points de vie. Du coup, on va remettre Clémor ici. Ouais, comme ça, on peut laisser Godmother un petit peu en retrait. Et on va faire... Je vais faire celle-là. J'ai besoin du renseignement, ouais. Même si ça m'embête de mettre un point dans chaque, je pense que c'est un peu moins toxique que de faire autre chose. Alors, l'équipement. On va quand même aller regarder ce flingue. Qui a la mitrailleuse, toi? Équipement. Constance Mossad, confère plus de balles, ok. Et l'autre mitraillette, symétrie, confère tir enchaîné. Tir enchaîné. Pff,
Tirez sur une cible avec une pénalité de visée de 15. Si vous touchez la cible, vous tirez automatiquement une deuxième fois. C'est le truc du grenadier. C'est la compétence du grenadier. Alors c'est une des moins bien, la compétence du grenadier. Mais ça fait quand même 2 tirs pour une seule action. 2 tirs pour une seule action. Si tu rajoutes la crosse, qui fait que ça ne termine pas ton tour, ça ferait 4 tirs en 2 actions. Ça ferait 6 tirs en 2 actions sur une Godmother. Bon, là le problème c'est qu'elle utilise pas le, elle utilise le pompe et non pas le truc. Mais vous comprenez, ça peut vraiment vraiment faire plein de tirs. Et en plus ça va bien sur elle et ça va bien sur le cobra aussi. Il rentre, il lance un crachat de poison et après il tire 4 fois avec son pistolet mitrailleur. Ça peut piquer hein. Mais bon, est-ce qu'on préfère pas le tir Ouais, alors vous savez quoi, on va répartir les armes pour qui ça ira le mieux. Elle, je pense que la symétrie cruciale, c'est pas le mieux. Elle a quand même 74 de visée, l'autre a 73 plus 20. Ok. Donc moins 15, c'est pas gênant pour le cobra. On va lui mettre la constance Mossad à elle. Et la symétrie cruciale à l'autre. Comme ça, on n'aura même pas besoin de changer leur arme. Chacun aura... ce qu'il lui faut. Lui, on va l'envoyer là-bas, donc évidemment, on va récupérer son pistolet. On peut virer ça. Voilà, on va tout virer, mais ça, ça se fait automatiquement. Hein. Et on va aller voir le matos. Alors, chargeur amélioré, on faudrait en mettre un. 55 crédits. Le râteau, il a 371, il lâche pas, quoi. Munitions traçantes. En fait, la chargeur améliorée, c'est bien pour celui qui tire tout son chargeur. Et c'est bien pour Godmother. Qui peut tirer 3 bastos et se vider assez vite. Munitions venin. Ouais, mais bon, autant prendre au marché noir un plus 2 ou plus 3, quoi. Tissage régénératif, c'est vraiment fort aussi, hein. J'aimerais bien en mettre sur tout le monde des tissages régénératifs, ce serait cool. Sérum stimulant, pareil, j'aimerais bien en avoir un. Mais c'est ça que je devais acheter, c'était pas la cuirasse qui renvoie les dégâts. Nanomedkit, on en a déjà 2, je sais pas comment. Et vous voyez, il n'y a pas d'endroit où on peut vendre, hein. Ça c'est vraiment typique des roguelites. Les trucs qu'on ne peut pas revendre. C'est pas typique des XCOM. Alors, carte d'accès automatique, bombe. Non, là on est bon, hein. On n'a rien à acheter là, et l'android, ben on s'en fout. Ok, entraînement terminé. On a renvoyé là, les deux là ils sont là-bas. L'anarchie elle est montée de gavet. Et bon, on va stopper là. Je crois que c'est bien pour faire une pause. Et on fera... bah non, on va le faire, c'est tout. Ça prend 2 secondes, on va prendre ça. Hop. Voilà, agitation du quartier augmentée. 62 renseignements, très bien. Alors, nouveauté dans du ravitaillement. Tu te bats comme une femme. Pistolet amélioré. Je vois pas très bien ce que tu veux dire. Tu ne crains rien. Tu restes calme malgré la pression et tu pousses tes coéquipiers à se surpasser. Ah, ma grande sœur m'a appris quelques trucs. Elle doit être géniale. Tu crois qu'elle rejoindra la réhabilitation pour se battre avec nous? J'en doute. Elle ne se rend pas compte de l'état de notre monde. Si elle change d'avis, j'irai serrer la main de celle qui t'a inspiré pour te battre aussi bien. Quand elle sera prête à m'écouter, je lui dirai. Alors, pistolet amélioré. Plus 1 pour tout le monde, ça c'est cool. Hop. On n'a pas de marché noir. Assemblage terminé, alors... du coup... pistolet de maître, fusil à pompe de maître. Franchement, je crois qu'on va devoir pousser un peu avec ça, hein. Mitraillette améliorée. Ah, eux aussi, ils en ont besoin. Allez, c'est parti. On a des nouvelles mitraillettes toutes chétées. Faut qu'on augmente les dégâts. Assemblage, opération spéciale. Alors là, techniquement, vous prenez les 3 fusils à pompe. Vous montez que le fusil à pompe maître et vous êtes mieux que ce que je vais faire. Hein. Mais moi, j'aime bien tester les personnages. Donc évidemment, je vais faire de la merde. Hein. Anarchie de la ville, moins 3. Non, recrutement massif, non. Le recrutement massif, ça pourrait être envisageable.
Là, au prochain tour, ça sera bon. Bah, on n'a rien à mettre, alors du coup. On y va avec eux. Et on va devoir faire... Oh là là, ma catastrophe, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, bon, on a eu de la chance dans notre malheur. C'est que on n'a pas le clap. Donc on peut pas empêcher un 3 points. Donc là ou là, ça va monter de 3 points. Mais on a eu de la chance dans notre malheur. C'est que si c'était tombé sur le centre historique ou sur Angler Point, on était dedans. Parce que là, on aurait pris tellement cher ici et là. Le fait que ça tombe là ou sur les endroits où il y avait un, bon, c'est vrai qu'on a augmenté le nombre d'endroits où il y avait un au lieu de mettre deux. Donc c'était pas catastrophique. Mais si c'était allé là ou là, on aurait été trop mal. Hein. Donc personnel essentiel, 45 hélérium, ok. Et là, fusil à pompe légendaire. Oh, oh. Alors je me tâte. Je sais pas trop où je vais aller. Ouais, on va prendre le fusil à pompe légendaire, bien évidemment. Hein. On a trois gars qui le veulent. Et on fera ça à notre prochaine fois, que je vais faire tout de suite, parce que j'ai envie de voir ce fusil à pompe. Merci d'avoir suivi, et à bientôt.